Et le Parlement, il dit quoi, non? Non, moi c'est Coco. Coco de France. Je suis au sud, dans une villa. C'est pas grave. Bon. Je salue d'abord tout le Parlement, hein. Le monde. Ma première vidéo. Tu as un grand chapeau, Warman. Parce que tous les gens te font les attaques ici, là. Moi, je vais encore éviter quoi, non? Tu connais. Tu sais que tu es fort. Tu es fort. Non, tu es fort. Tu fais les wake que nous. On confirme seulement. Bon. Aujourd'hui, là, j'ai entendu. Non. Les histoires de vidéos, là, le Parlement, je suis là depuis, hein. Parce que ça, là, c'est mon truc, là, que. Non. Quand Waman faisait ses vidéos de. Il faisait ses vidéos, il avait tué, il avait 200 vues là. C'était moi qui regardais ça, moins de 3 fois. Mais je sais pas, je ne suis pas un gars du commentaire, faire lancer des bombes sur les gens. C'est pas mon goût. Je regarde seulement, ça me plaît. Je suis là, ça me plaît pas, gars. C'est ça que non, on fait pas. Il y a aussi des vidéos là qui te pourraient que mon pas mon gars. C'est comme ça a avancé. Donc, voilà. La première vidéo là, c'est un ancien. Le Waman là, Josh, oui, il a lancé un mouvement là, Ndolo sans frontières. Hey, et les gars sont sautés dedans. Merde! Les gars étaient chauds, les gars étaient inspirés, non? Chacun faisait ce moment, les gars sont sortis de nulle part, seulement que nous. Avec 40 minutes, mon frère me sentait que c'était leur première vidéo. Non, moi, j'ai seulement regardé aussi, non? Mais elle est ouais, Josh, qu'il y a ouais, que j'ai entendu. Au niveau du Parlement, qui me fait peur. Quand on regarde les vidéos, là, j'entends. Il dit que, les gars, si, mon frère, faut flex, hein, parce que c'est que je sais, là. Faut quand même faire gaffe. Bon, je ne dis pas mon âge. Ouais, là-bas, sinon, je suis vieux. Je dis mon âge, on va me lancer, on va lancer, moi, sur le Tina, là. Les caméras vont être fort avec le moment, là, mon frère. Chaque personne dit que non, lance pas un moment sur moi. Comme si les caméras, là, quand ils regardaient seulement la vidéo, ils avaient le moment comme ça, là, sur les mains comme ça. Dès que tu sens plus, va commenter, insulte, moi. Oh, ouais, caméra, quoi, non, mon frère. Je veux pas ça. Vous avez fait vos commandes sur Facebook, là, moi, je suis pas sur la page, parce que, regarde, il y a trop de notifications, là, ça donne un mot de tête, mon frère, moi, regarde les vidéos, me calme, seulement, juste, me fais pas, oui. Bon. Les gars qui disent que Ndolo sans frontières, j'ai entendu plein de gars qui disent que non, il ne peut pas me marier avec une ouate, il ne peut pas, c'est diluer les origines camerounaises. Bon, soyons sincères. Un peu plus sérieux, hein, parce que là, on a la. C'est fini, maintenant, on est juste sérieux. Nous sommes combien de Camerounais? Plus de 20 millions. Donc, c'est les petits Camerounais de la diaspora, là, qui sont moins de 7 000, disons même 10 000, qui vont faire diluer le enfin, les origines Camerounais. Ça veut dire quoi? Sur 18 millions là, combien ils représentent combien sur la population pour dire ça, que les origines camé vont disparaître, mon frère? C'est n'importe quoi! Hey! Les origines camé peuvent disparaître un jour. Non, 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 mon frère. Le camé, surtout camé. Tu es ça d'abord. D'autres qui disent que non, j'aime pas me marier avec une ouate. Je dis, frère, on ne doit pas arriver comme ça là. C'est pas un choix. Je vais t'expliquer, oui. Je vais vous expliquer, oui. Parce que si on plaît à penser comme ça, là, mais vous ne réfléchissez pas longtemps. Quand tu arrives ici, là, tu es venu faire les études ou non? Ok. Chaque année, la préfecture t'appelle, oh, petit frère, passe ici, là. On tamponne, on prend ton titre de séjour. Tac, on change. On te redonne l'autre. Pendant que tu es étudiant. Quand tu finis étudiant, là, petit frère, pas parce que tu n'as jamais eu le problème de chaos, là, que tu. Que tu vas dire que non, tu es trop fort, machin. Mon frère, quand t'es ouais, étudiant là, fini. Là où tu vas voir ce que c'est le Kaolo. Tout ce qui est juste là. Je veux d'abord vous dire, c'est pas seulement l'élection de Kaolo qui me dérange. Que quand tu arrives ici, là, bon, tu n'as pas beaucoup de choix. Soit tu te lances dans une filière où tu sais que. À la sortie de là, tu auras un bon boulot. C'est les watts là qui vont te bailler. Donc ils vont te give le Kaolo, obligé. Si tu es pas, si tu es un jongleur, il y a beaucoup de jongleurs là, mon frère, c'est chaud, c'est pas facile toujours de tenir les longues études là, mon frère, c'est les dos.
payer l'appartement, tout ça là, c'est qui? C'est les dos. Donc, c'est pas facile. Deuxième solution, tu as de la chance, tu trouves une gars quand même qui a 7, qui a 5 ans. Yes, bien un gars, une gars quand même qui trouve son gars qui a 5 ans. Son cas. Là, c'est bon. Vous prenez votre famille, vous êtes là, le blanc, le loi ne vient pas vous déranger que nous, il faut aller à la préfecture, régler tes oui. Soit, gars, la dernière solution, c'est quoi? La Watt qui te gifle le kaolo. C'est ça! C'est ça! Et ça, tu as pas le choix parce que quand tu es étudiant, tu as pas le problème de kaolo. Hein. Même tu peux voir les petits jobs étudiants, tu peux faire ça. Mais mon frère, quand ça finit, tu vas voir. On ne te donne pas 2 ans pour bac au pays si tu n'as pas le kaolo. On ne te donne pas 2 ans. Tu n'as pas trouvé un métier star. Parce que c'est plus l'époque où on gifle le kaolo comme ça. Mon frère, c'est devenu chaud. Impossible. Et tu ne peux pas te dire en kaolo. Tu vas bosser comment? Déjà que même quand tu es étudiant là, tu cibles même quand tu donnes ton cahier là vers l'été là, ce n'est pas bon. Parce que ça entre deux changements. Le temps que ta date finisse et le moment où on doit te renouveler, il se passe un laps de temps. Et pendant ce temps, tu ne peux rien faire. Tu fais comment? Kaolo. Kaolo. C'est une situation chaotique. Ce n'est pas bon. Il faut le kaolo. Et t'es un étudiant, tu peux pas connaître les problèmes là, mon frère. Ça t'a chauffé, les gars. Je pense que les gars poussent le chaos là parce qu'ils ont quoi? C'est chaud! C'est chaud! Donc on dit que nous, on peut arriver parce que nous, diluer diluer la nationalité, enfin. Les origines camerounaises, ça n'a aucun sens, mon frère. On est 18. 10 millions, ça va finir comment? Et, prenons le cas où tu trouves ton gars quand même. Quand tu élèves ton enfant ici en B, est-ce que ça fait de lui forcément quand même? Il a le sang quand même, mais est-ce qu'il a les origines quand même? Il faut revendiquer le fait d'être quand même, parce que tu as la culture quand même. Ce n'est pas seulement d'être camé de sang, non, il faut avoir la culture aussi. Il faut avoir la manière de penser, il faut avoir, il faut connaître les rites, le langage et tout ça. Tu élèves ton enfant ici noir, déjà petit, il veut t'adapter, il va parler comme le ouais, tout ça. Mon frère, quand il va back au pays, il va juste comme ça à ses gars, mon frère. On va regarder comme un sorcier, que le gars se sort de mon frère, c'est quel mutant ça. Non, ça n'a pas la culture. Et la culture, ça prend où? C'est au pays. Ce n'est pas ici, là. Donc, les enfants métis, même qui sont enfants métis, enfants noirs, c'est pareil, ici, là. Niveau culture, un Camerounais né ici et un métis né ici. D'abord, les métis sont considérés comme un noir ici. C'est pareil. Donc, laissez-moi vos histoires, là. Si tu veux vraiment faire de lui un Camerounais, tu dois le bac au pays, même pas au pays, en college. C'est là-bas qu'il va apprendre à parler. Ou tu le laisses grandir au pays, le temps qu'il prend la mentalité camerounaise. Et ça, c'est pas, ça ne peut pas plaire forcément à ton conjoint. Parce que, gars, faire grandir son enfant au pays, gars, tu dois être ici, là, ton enfant encore, tu vas donner ça à la grand-mère, tout ça. Ce n'est pas mot, l'enfant serait un peu perdu. Donc, le seul moyen, c'est soit tu joues ta langue avec le petit. Là, il va comprendre. Même avec la langue, là, même la façon de penser, ça change. Quand tu joues comme le Wamanet dans son ancienne vidéo, là, la façon de joues même d'insulter l'enfant, que oh, arrête ça, en ta langue, c'est une autre intonation. Donc, dans ton bien, senti que non, les origines, les origines dures, sans l'esprit Kamek qui entre en lui. Donc, c'est ça. Pas parce que il va grandir ici, là, même s'il est noir. Tu ne joues jamais de ta langue. Il va rentrer au pays, ça sent quand même ça. Là, sa langue sera complexée. Il va dire que, mais mon frère, je suis quand même, même avec mes camés, je n'arrive même pas à dire, je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas ça. Ne faites pas d'amalgame. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font ici, là. Le fait être camé, ça ne veut pas dire seulement le sang. Ça va la mentalité. Ça va la langue. Et ça, notre génération a sauté ça. Je voulais encore embrayer sur cette partie-là. Moi, je suis un gars, bam,
du côté de même côté que l'Itinala, vous savez, donc tous les gars qui envoyaient au Itinala, ici ça noie sous mon village, c'est pas l'histoire là. Tu es ça là-bas. Bon, les histoires de langue là, c'est chaud, hein, parce que gars, nous, notre génération, si on prend la génération jusqu'à les gars de 27 ans là, aux gars de 18 ans, mon front a sauté, gars. Pas beaucoup ne savent juste leur langue maternelle. Hein. Oh, c'est chaud. Et moi là, ça me touche, mon frère. Au pays, gars, on voulait même pas y a que bam, tu moi ça, mon frère. Des quoi là? Une sale langue comme ça là. Ici que comment que merde, c'est chaud, gars, parce que la seule façon de discuter avec les quand tu rencontres l'autre gars ici, mon frère, quand il commence à coder, il parle français. Dès qu'il veut coder, il t'éjecte. Tu es fini. Tu es quand même, mais tu ne y as pas. Le seul me dit, yam là, yam non. Ah, tu es quand même, ok, c'est bon, tu es bam, oui, c'est fini là, la conversation s'arrête là. Est-ce que ça devient quand même, frère? Car c'est très chaud, hein, parce que notre génération là, ça a sauté. 27 ans, 18 ans là, même ceux qui sont encore en bas. On a tout sauté là, donc il y a une grande, grande génération de camels qui ne savent plus parler. Ça, c'est très grave, parce que ça saute une génération comme ça. Nos enfants, ils vont juste quoi? Galant en train de se perdre, mon frère, c'est chaud. Donc il faut un stage express là pour reconnecter notre génération qui arrive là. Express, parce que gars, à cette vitesse-là, ça va go. Mais c'est une histoire, on blague comme ça, mais c'est dangereux, les gars, c'est dangereux. Nous, les gars, nous, faut qu'on batte au pays. Parce que même moi, là, ça me touche. Là, il y a mon oncle finir comme ça, mon frère. Et même pas avoir envie mes parents. Parce que, gars, c'est que quand tu regardes le camé, c'est seulement au niveau du centre qu'on ne juge pas les langues maternelles. Hein. Enfin, notre génération. C'est seulement au niveau du centre. Parce que, gars, le centre, là, tout le monde, là, je cherche, mon frère, les mots de tête. Quand on est encore 7-8 enfants dans la maison, mon frère, parlant encore la langue, gars, c'est un peu chaud pour les parents. Ils doivent encore s'organiser, jongler à gauche, à droite. Ce n'est pas bon, tu vois. Donc, eux, ils privilégient plutôt l'école. Donc, ils n'ont pas trop le temps de juger la langue. Comme le pater n'est pas toujours là, le mater n'est pas toujours là. C'est seulement les tantales quand ils arrivent là qui disent là que tu y as que tu y as ta langue maternelle. Mais sinon, gars, le pater et la maternelle n'ont pas le temps. Donc c'est ça. Mais ça qu'on comprend pas, c'est que au niveau ce n'est qu'au niveau du centre du Cameroun, Yaoundé, qu'on ne dit pas la langue. Où est les nordistes? Quel nordiste ne sait pas de sa langue, la langue là? J'ai oublié le nom. Les gars du Nord, ils sont des Camerounais, mais ils savent tous parler. Le problème, c'est au niveau du centre. Même tu descends un peu même au sud de là, tous parlent la langue. Et c'est moyen où le blanc a bien. Enfin, pas le blanc. Hé, il m'a pas encore accusé le blanc ici, mon frère. Le boba va arriver. Hé, hey, boba. Pardon, blague seulement. Non, c'est seulement au niveau du centre que la langue maintenant est en train de finir. Même quand tu vas au village, c'est en train de finir parce que, gars, tout le monde juste la français là-bas. Donc, et tu peux bien t'exprimer en français quand tu bats au village, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que notre génération là, la langue est en train de mourir comme ça. Quand tu bats au village, tu entends la grand-mère parler, tu vas te placer, elle n'y a pas français. Mon frère, tu vas se mal regarder, yam là, yam non. Yes, yes. C'est fini. Mon frère a te regardé quand il a appelé ton père comme un frère. Tu as fait l'enfance ici. C'est même qui ça. C'est mauvais. Même après, quand il y aura les grandes réunions avec nos oncles là, au village, quand on voit un peu les galons là, ou les diplômes, tout ça, vous allez back au pays. Forcément, parce qu'il y aura forcément une tentative ou machin qu'il faudra enterrer. Vous allez back au pays. Vous allez juste aller, vous allez vous rassembler là, vous allez juste aller les oncles. Vous allez juste quoi alors? Tu vois, mon que tu es puissant, oh, et fait les études, oh, tu vas t'imposer au village parce que quand tu as fait les études, tu as un peu les dons, non, non. Au niveau là, tu gonfles un peu le torse parce que quand tu arrives là-bas, tu veux dire que non, c'est moi. Mais mon frère, tu as dit ça en français, qui va te dire? On dit que l'enfant, le mutant du blanc, il pense qu'il va faire quoi. Alors quand tu josses pas, toi, on dit que non, le gars, c'est quand même la racine, il pense comme nous. C'est ça, tu peux parler en patois. C'est un avantage, les gars, faites gaffe, il faut voir. Tous les gars qui n'ont pas de juste là, il faut back au pays, apprendre ça, que ce soit maintenant ou après, mais il faut back. Et il faut que nos enfants apprennent ça parce que gars, ça va go. Comment ça go là, ça saute deux générations, c'est fini. Hein. Et comme ça part vite là, vite, vite, vite là,
faut quand même faire gaffe, les gars. Faire gaffe. Et aussi, c'est quand même un peu pour un autre problème, c'est que quand tu aimes les gars, les Congolais, parce que moi j'aime un peu la musique congolaise, je ne suis pas congolais. Oh. J'aime la musique congolaise, Kofi, Fally, tout ça. On aime aussi ça. On écoute aussi Kamé. Quand tu pars chercher sur Internet, les gars ont les dialectes. Tu peux même taper, il y a les sites où tu translates seulement. Si tu ne comprends pas une partie de la chanson, tu copies. Ils ont là les paroles même sur la chanson. Tu copies, tu colles, ça te sort le français. Donc c'est comme ça même que tu peux apprendre un peu le français, même quand tu es à l'extérieur. Regarde, mais ici, mais du côté caméra, là, je peux guetter les pas, il n'y a rien. Hein. Il n'y a aucun site qui fait un genre de vouloir apprendre le Bamileke ou n'importe quelle langue camerounaise, il n'y a pas ça, il n'y a pas de site comme ça, gars, c'est un peu dommage, parce que, gars, il faut qu'on crée une idée, là, les gars, la diaspora, pour faire boche la langue ici, là, parce que, gars, bon, ce n'est pas le but le plus important, mais, gars, ça va quand même aider une bonne partie des camerounais ici, de la diaspora, parce que, gars, c'est chaud, gars, il faut qu'on se méfie de ça, quand même, prenez ça en compte, gars, il y a nous, bon. J'ai arrêté la vidéo, là. Il y a une dédicace. Et sans que c'est mort. Parce que d'habitude, on ne joue pas comme ça, là. Mais gars, mon cousin, diable, oui, j'ai vu que tu étais sur la page, mais je ne joue pas de joss. Pardon. Si tu vois la vidéo, là, joss aux autres. Je ne suis pas mon genre. Les gars, on se met la pisco. Le petit va se prendre la maturité, là. Non. Moi, je voulais seulement lancer un mot comme ça et arrêter les gars qui bavardent de trop un peu là. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas ici. Hein. Quand le chaos va te rattraper. Puis, tous les gars qui disent comme ben Marine, moi, quand même. C'est un choix, non? On refuse, mais tu vas te rendre compte quand même, si le blanc vient de Dieu, que parlons, tiens, voilà ton kaolo. Tu as craché dessus. Tu as craché. Mens alors, tu as craché dessus. Tu as pas craché dessus. Tu mens. Tu vas prendre le kaolo là, mon frère, parce que quand tu es étudiant, là, tous les gars que j'ai regardé disent ça. À peu près les étudiants, hein. C'est pas grave. Avancez, vous allez voir. Soit vous mentez, soit vous avez votre kaolo en poche. Et vous venez tromper les gens comme le Waman a dit sur une vidéo où tout, la plupart des gens qui disent qu'ils s'en foutent des blancs, ils sont tout seuls. C'est ceux qui ont un kaolo. Ils savent là comment jongler. Man. Mais ceux qui n'ont pas de kaolo, mon frère, dès que ton étudiant a fini, tu vas faire comment? Hein? Tu fais comment? Tu vas qu'au pays, non? Tu vas qu'au pays avec les diplômes, tu vas faire quoi avec? Quand tu es venu ici, c'était pourquoi? T'es bon envoyé ici, pourquoi? Gars, pour te chercher, pour avoir un bon statut, bac ou payer un bêtis, aider la famille, tout ça. Tu finis tes études étudiantes, tu n'as encore rien. C'est après les études que tu gagnes les dos. Ou tu jongles un peu entre les études là, mais c'est après les études que tu vas gagner les dos parce que tu n'auras plus beaucoup de. Tu gagnes les dos après les études. Parce que tu auras ton diplôme, tu pourras travailler dans un cadre avec un salaire normal. Mais tu finis tes études, tu as plus le cas où tu bac, on t'a envoyé seulement laver les fesses de blanc ici, mon frère. C'est pas ça. Tu as ici, tu as work ici. C'est l'argent d'ici là. Parce que ici là, le salaire est multiplié par, je ne sais pas combien de temps vous connaissez. Le salaire est multiplié ici là. Donc, quand tu bats au pays, tu transfères ça en France, c'est pas mon frère. Là, vous n'aurez qu'en un été, tu vas devenir millionnaire. Ah, vous savez, bon, on ne va pas juste les comme ça. Parce que le mouvement des gens vont gonfler ici là. Non, on ne juste pas les comme ça. Mais vous savez que c'est l'argent d'ici qui va aller construire le pays avec. Tu finis tes études, tu n'as pas le chaos. Tu fais comment pour work? Mon frère, arrêtez vos histoires que non. Déjà, c'est ma what, pas. Bon, il y a d'autres qui peuvent faire les what, mais il y a d'autres gars que mon frère. Tu as arrangé ta situation chaotique, mon frère. Comment? Et ça ne veut pas dire que tu vas jongler. C'est dit que bon, tu peux t'entendre ben, avec moi, ça finit comme ça. Et, gars, gagnant, mon frère. Et l'important, c'est que ton enfant ait la culture camerounaise parce que il faut d'abord que toi-même, tu aimes ta culture comme ça. Tu sais comment Dieu s'est avec ton conjoint ou ta conjointe français pour sa boîte pour que vous entendiez à ce que ton enfant ait le plus possible la culture camerounaise et la culture des blancs. Donc c'est ça. Je ne dis pas parce que tu te maries un gars quand même que tu vas sauver ta culture, ça n'a rien à voir. Il y a plein de gars ici qui sont nés ici, mon frère. Tu ne sais plus où ils sont seulement camés de peau. Mais camés dedans, non. Donc, arrêtez-moi vos histoires là. Je ne suis pas content. Bon, j'arrête là. Waman. Chapeau encore, non, mon frère. Grâce à toi que je peux passer à Canal 2 là. Tu sais que les gars me lancent le mouvement. Oh, oh.
moi, je n'ai pas le piment congolais, je n'ai pas vos histoires là. L'anglais, c'est moi, mon frère. Moi, si ça m'énerve, tac, je ferme la page. Je ne regarde même pas. Enfin, je vais regretter quand même parce que pour voir s'il y a trop de moments. Si on voit trop le moment là, ouhou, je ne regarde même plus. Ferme seulement mon Facebook, du coup, fais autre chose parce que là, le pire n'est pas réagi parce que, gars, je suis en période de concours là, c'est un peu chaud donc. Voilà, vous pouvez me lancer. Voilà. Donc, je dis aux gars, avant de parler, réfléchissez d'abord parce que ce que vous dites là, si on vous attrape dans la rue avec moi, non pas vous gifler, mais vous allez. Ouais, vous allez savoir, laissez. C'est normal, on grandit, non, ça arrive à pas de terre qu'on discute, non. Donc, ne nous avancez pas trop, ne pas trop dire, être radical comme ça, on fait pas les choses comme ça, comme les enfants. C'est la situation qui arrive, machin, donc on ne choisit pas. Pas marine, what? C'est pas ça arrive, tant pis mon frère. L'important, c'est la culture que tu impliques à ton enfant et ta culture à toi-même. Donc, le fait de se guetter quand même, là, ça ne veut rien dire. Dilue, là, j'ai encore entendu, comment diluer le sang quand même. Sur 20 millions, tu dilues 20 millions comment? Par 1 million aussi. Et est-ce qu'il y a 1 million de gars qui se marient avec à l'étranger, mon frère? Ça veut dire quoi? Là, pensez quand même. Bon, arrête là parce que, gars, si on continue là, les moments vont encore s'ajouter, moi, c'est pas fort pour ça. On se voit dans la famille. Zen. Tchao.